tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le botro. Cette spécialité angevine qu'on mange à Mardi Gras. Un petit beignet, sucré, saupoudré de sucre glace. Très fin. En tant qu'angevine, j'ai la chance d'avoir pour nom de famille cette même spécialité, l'orine botro. Il m'est donc venu il y a quelques années l'idée de créer mon propre restaurant sur Angers autour de cette spécialité. La gastronomie angevine n'est pas assez reconnue. Et pourtant, elle a un énorme potentiel quand on voit les maraîchers, les vergers, les digestifs, les vignobles, et j'en passe. Depuis la crise sanitaire actuelle et les crises alimentaires, les Français ont besoin de se rapprocher des producteurs locaux, mais aussi d'avoir une certaine transparence avec les produits travaillés. Aujourd'hui, c'est 77% des Français qui veulent voir des produits locaux en restaurant. Cependant, c'est seulement 37% de ces restaurants qui en proposent. Ce que je souhaite, c'est un restaurant ayant une carte 100% angevine, en mettant en avant les produits et les plats de l'Anjou. Mon concept, donc, avec des produits frais, de saison, avec des producteurs locaux, c'est-à-dire du Maine-et-Loire. Mais c'est aussi éviter le gaspillage en utilisant son produit dans son intégralité et éviter le plastique au maximum. Vous l'aurez compris, mon produit principal, ça sera le botro, que vous retrouverez en sucré, mais aussi en salé. Pour vous donner un exemple de carte, en entrée, vous pouvez avoir botro à la persillade d'escargot, chorizo poivron en plat avec un accompagnement de pâte flambée au cointreau, et pourquoi pas en dessert, un botro cointreau glace à l'orange. Ces plats changeront toutes les semaines pour avoir du renouveau. À côté, vous avez deux entrées, deux plats et deux desserts qui seront des spécialités angevines, qui eux changeront selon les saisons. Petite carte, avec un prix pour le moment fixé à 17 euros entrée, plat, dessert le midi. Mon objectif est de montrer qu'on peut manger des produits de qualité à prix abordable. À Angers, il y a beaucoup de concurrence. Il était donc important pour moi de me différencier et de proposer une valeur ajoutée. Les Angevins aiment leur région et le terroir n'est pas assez valorisé dans les restaurants. Certains vont proposer le cul de voie à l'Angevine, le crémé d'Anjou, la gouline. Cependant, mon offre sera la seule sur Angers ayant une carte exclusivement avec des spécialités d'ici et la seule à proposer des botros en sucré et en salé dans un restaurant. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Restaurant by Laurine sur Facebook et Instagram pour suivre l'avancement du projet et participer à des événements de dégustation et approuver par vous-même le temps de l'ouverture du restaurant, les botros. Merci beaucoup pour votre écoute.